les intégrations à la fonction publique qui seront faites puissent répondre à ces besoins. Plutôt que de recruter comme à la volée ou à la pelle, mais qu'on recrute désormais selon les besoins spécifiques de notre administration publique pour qu'elle soit davantage performante. Oui, voilà une approche de prise en main effective de notre jeunesse au travers de la formation, l'accompagnement, l'employabilité et qui soit compatible avec la performance de notre administration publique. Le président nous l'a dit. Comment capitaliser cette ressource humaine importante qu'est la jeunesse et la faire migrer de l'oisiveté à la vie active? Il est une question dont on ne devrait même pas parler, sinon que féliciter le gouvernement, pour ne pas dire le président, c'est la diplomatie. Nous avons une diplomatie des plus actives, des plus efficaces. Une diplomatie qui a fait du président de la République un médiateur de talent. Donc je pense que je ne vais pas insister là-dessus. On a parlé de Sopeco. Oui, Samba, non. Nous avons écouté, il a été dit ici qu'un tas de mesures est en train d'être mises en place pour aider nos frères et sœurs de Sopeco. Ils sont dans une situation difficile et vous avez raison d'en parler. Et le gouvernement doit tout faire pour que nos amis, nos frères et sœurs de Sopeco retrouvent un peu de sourire. Parce que protéger les Congolais contre les réseaux sociaux, le ministre est passé. Il a donné la mesure de ce qui est en train d'être mis en place et qui, à mon sens, est de nature à être efficace et donner les réponses qu'il faut à cette question.